4. J'espère que ça allait. J'ai un médiateur qui n'est pas super. Hop là. Alors au niveau des médiateurs, j'ai quand même tendance à prendre moi ceux-là comme médiateur. Hop là. Parce que quelque part, j'ai des doigts qui sont avec la peau qui est quand même assez lisse. Et ça m'arrive de temps en temps que les médiateurs me glissent des doigts. Donc le fait qu'ils puissent être un peu plus râpeux, qui sont un peu plus qui adhèrent le doigt, bah moi je préfère. Donc voilà. Alors au niveau de cette musique, on va donc commencer donc à parler des on va commencer à parler des accords. Hop là. Donc intro. Non, c'est pas celle-ci, pardon. Voilà, on va déjà juste parler des accords. Donc on a un Ré sus 2. Donc si vous voulez, on a l'accord de Ré qui est comme ça. Et quand j'enlève mon doigt, j'obtiens Ré sus 2. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Si vous savez faire en fait l'accord de Ré et l'accord de La, pour cette musique, vous n'aurez pas trop de difficultés. Donc je fais mon accord de Ré comme ça. Après, je viens enlever mon doigt. Après, on a notre accord de La. Non, on va pas faire notre accord de La. On va faire donc, comme indiqué, le La sus 4. Donc, ça nous fait Ré. Donc, on fait ça deux fois. Donc, Ré, Ré, Ré sus 2, Ré, La sus 4, La. Ré, Ré, Ré sus 2, Ré, La sus 4, La. Ré, Ré, Ré sus 2, Ré, La sus 4, 2, 3, 4. Sorry, it's all that you can. Et après, on va attaquer le Mi mineur. Donc logiquement, le Mi mineur. Comme ça, mais vu que moi j'aime bien mes petites positions, bah après c'est une sonorité qui me plaît. Donc on a le Mi mineur, et ce mi mineur, en fait moi je viens toujours ajouter ses doigts, donc ses positions derrière. Donc en fait ça me fait un Mi mineur, donc je dirais plutôt que c'est un Mi mineur 7 quoi, quelque part, avec un sol ici. Donc ça me fait Ré, Ré, Ré sus 2, Ré,
La sus 4, La, et après on vient enchaîner sur le Mi mineur. 4, La sus 4, La. Donc c'est bien ça, La sus 4. Donc en fait, cette musique-là n'a rien de bien compliqué, parce que déjà rien qu'avec ces accords-là, on a déjà fait la majorité des couplets. Donc, on va répéter tout ça. Donc, Ré, Ré, Ré sus 2, Ré, La sus 4, La. Ré, Ré, Ré sus 2, Ré, La sus 4, La. Donc maintenant on va arriver sur les paroles. Donc ça nous fait Sorry is all that you can say. Après on revient sur le La sus 4. He's gone by La and still. Donc en fait on tourne en boucle. J'espère que vous avez compris le principe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà. Je pense qu'on peut arriver à faire les deux premiers couplets déjà de la chanson. Donc ça va être un tuto qui va être assez rapide. Mais bon, après, de temps en temps, je vais pas toujours avoir des tutos qui vont être compliqués et qui vont durer des heures. C'est pas l'objectif non plus. Donc 1, 2, 3, 4 et... C'est l'intro en fait. Hein. Deux, trois, quatre et Sorry. It's all that you can say. Mi mineur 7. La sus 4. By and still. Donc Ré. La sus 2, Ré. La sus 4. Mi mineur 7, like a sorry, La sus 4, La. Et là, on a fait déjà le premier couplet. Donc maintenant, je vais éviter de dire les paroles, les accords, et je vais juste dire les paroles. Forgive me, it's all that you can say. Donc attaquer le couplet, ben, le couplet, le refrain. Mais maintenant on va refaire ça avec les accords et les paroles affichées. Donc on va déjà répéter ce passage là juste par rapport au premier couplet, comme ça vous avez tout devant les yeux. J'ai pas pensé à vous afficher les images, mais bon, voilà, c'est toujours au fur et à mesure, on apprend. Donc, 1, 2, 3, 4, et l'intro. Forgive me, it's all that you can say. He's gone by and still. Rats don't call me dirty, like
vous avez bien vu, parce que j'essaie de m'adapter par rapport à la caméra. Peut-être que si je la recule un peu, on aura peut-être moins de détails, mais ça me permettra d'éviter que vous loupiez en fait des positions d'accord. Après, cette musique n'est pas très, très très compliquée, quoi. Donc, voilà. Hop là, des petites secondes. Voilà. Donc, on a fait les deux premiers couplets. Donc, les autres couplets sont les mêmes quasiment. Hein. Donc, ça va être une musique qui va être assez courte. Maintenant, on va attaquer le refrain. Pour le refrain, j'ai donc un ré. Take. Voilà. Pour le refrain, j'ai donc un ré. Ré sus 2, ré. Après, j'ai mon mi septième, donc toujours les mêmes positions. Mi mineur septième, mi mineur 7, voilà. Sol. Donc en fait, si vous regardez en fait la position de mes doigts, ici j'étais sur un mi mineur 7, comme ceci. Et en fait, je viens juste enlever ces deux doigts et je viens les positionner comme ça, de façon à obtenir un sol. Voilà. Donc ça me fait. Le refrain, ça fait. But you can say baby. Baby, can I hold? Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you. Et là, j'ai un si mineur. Donc, ça me fait But you can say baby. Ré, ré sus 2, ré, mi mineur 7, sol, ré sus 2, ré, mi mineur 7, sol, si mineur. Donc, on peut faire le si mineur aussi comme ça. En évitant les barrés. Ça dépend de vous. Hop là. Donc, on va refaire la même chose. Donc, ici, on a donc le si mineur. Donc, the right road, you have the right time. Donc, en fait, on est sur le la sus 4, la. You be mine, ré. Ré sus 2, ré. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à tout suivre. Disons qu'il n'y a pas vraiment de complexité dans cette musique. Hein. C'est toujours les mêmes accords. Donc, vous devriez arriver, en fait, pour les débutants, vous devriez arriver à la jouer assez facilement. Quand même. Donc, ça nous fait. But you can say baby. Baby, can I hold sol you tonight? Ré. Ré 6 de ré. Mi mineur 7, sol, si mineur, la sus 4, la, ré sus 2, ré. Après, je reviens sur le la sus 4 et la. Et je fais exprès de mettre une pause, excusez-moi, je fais exprès en fait de mettre une pause entre mes accords. Une fois que j'ai fait par exemple mon. Entre chaque couplet et à la fin du refrain, j'ai fait exprès de mettre du temps. Et si vous écoutez la version originale, vous vous rendrez compte que elle fait exprès en fait de mettre du temps, de façon à laisser les choses en fait prendre place quelque part. On est sur une musique qui est, je sais pas comment dire ça, quoi. Alors, en fait, on prend notre temps, voilà. En résumé. Donc, si je reprends le refrain, ré sus 2, ré. Mi mineur 7, sol, ré sus 2,
Mi mineur 7, Sol, Si mineur, La sus 4, La, Ré, Ré sus 2, Ré, La sus 4, La. Donc maintenant, on va essayer de faire le refrain entièrement. Là, comme vous pouvez le constater, en fait, le La sus 4 et le La de la fin ne sont pas indiqués sur les images. Mais bon, après, c'est... Je pense que vous ne devriez pas trop avoir trop de mal à le faire, même en prenant même le PDF. Hein, c'est déjà indiqué sur le PDF. Donc voilà. Donc alors, ça me fait. But you can say baby. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. Et voilà, donc là, on a terminé quasiment la chanson. Il y a juste en fait une petite variante sur la fin, mais autrement on l'a quasiment fini. Donc alors maintenant pour la fin, bon, j'espère que je vais pas trop vite, n'hésitez pas à me le dire hein, si c'est trop rapide pour vous. Donc en fait sur la fin on finit par mi mineur 7, Sol, voilà, mi mineur 7, Sol, Ré, Ré sus 2, Ré, Mi mineur 7, Sol, Ré. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. On reste toujours sur les mêmes accords. Donc, ça donnerait, si je prends le dernier couplet, ça me donne en fait. Attendez, on va reprendre le refrain de la fin. Est-ce que je suis tellement habitué à la faire que la prendre de court, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que le plus simple, ça va être tout simplement de la jouer entièrement. Donc on va la faire entièrement au moins deux fois, de façon à ce que vous intégriez en fait les accords. Et après, je pense qu'on aura fait le tour de ce tuto. Voilà, je pense que c'est pas la peine de rester des heures là-dessus. C'est une musique qui est facile, qui est vraiment faite pour les débutants. Donc, bah, profitez-en. Alors, donc là, je vais rattaquer, donc avec les paroles, comme tout à l'heure, sauf qu'on va la faire entièrement. 1, 2, 3, 4 et... Sorry, it's all that you can say. Like a sorry. Là j'ai du temps. Forgive me. It's all that you can say. He's gone by and still. Words don't call me silly. Like forgive me, forgive me. Enfin. But you can say baby. Baby, can I hold you tonight? I love you, I love you.
can say baby. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right roads, ooh, at the right time, you'd be mine. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right road, ooh, at the right time, you'd be mine. On attaque la fin. Voilà, donc un bref résumé par rapport à la fin. Vous voyez qu'en fait, on reprend une partie du refrain. Donc on fait un refrain en entier. Et après, on attaque en donc « Baby, can I hold you tonight ?» Voilà, donc on reprend en fait la deuxième phrase du refrain. Donc si on regarde le refrain, ça nous fait « tac, tac ». Ça. Donc c'est donc but you can say baby. Donc je vais essayer de le prendre avec une voix un peu plus aiguë. But you can say baby. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right road, ooh, at the right time, you'll be mine. Et on attaque. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right road, ooh, at the right time, you'd be mine. Et là, on va sur la fin, donc Mi mineur 7, Sol. You'd be mine. Je pense qu'on a fait un bon. On a pris en fait la chanson, on l'a faite entièrement et que tout a été dit. Donc on va la refaire une dernière fois ensemble et après je vous laisserai. Voilà. Allez. 1, 2, 3 et 4. It's all that you can say. He's gone by and still. Words don't call me sorry. Like a sorry, like a sorry. Forgive me, it's all that you can say. He's gone by and still. Words don't call me sorry. Like forgive me, forgive me. But you can say baby. Time, you'd be mine. I love you. It's all that you can say. He's gone by and still. You.
you can say baby. Time. You'd be mine, baby. Can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. You'd be mine. Voilà, sur ce, bonne soirée et donc à dimanche prochain, 18h. Merci, au revoir.